bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, hein. Voilà, parce que j'ai quelques trucs à vous dire et j'avais envie de vous faire un petit peu avec vous le point au niveau de mon DP aussi. J'aimerais bien faire un peu de DP une fois que j'aurai fini ce que je suis en train de faire. Désolée, j'ai toujours un petit peu malade, hein, ça ne part pas, on en a marre, mais bon, on ne peut pas vraiment soigner non plus. Parce que, parce que je suis enceinte, voilà. J'attends bébé 2 pour août, mi-août. Je vous en ai pas parlé avant parce que voilà, j'attendais le bon moment et j'attendais surtout d'avoir passé les 3 mois. On va pas se le cacher, hein. Et tant que je l'ai pas, voilà, là cette semaine je vais l'annoncer au boulot, donc voilà, je peux enfin vous le dire, même s'il y a déjà des, ça se voit, donc c'est un peu problématique pour le cacher, bon, le fait que je tombe souvent malade, hein, la fatigue, enfin bon bref, j'attends bébé 2, Liam s'en est rendu compte un peu avant nous. Il était fort collant, voilà, c'était très maman, 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 toujours à bras, enfin voilà. Donc il l'a pas mal pris ou quoi que ce soit, il s'en doutait et lui il avait une petite soeur, voilà. Bon. On aimerait bien aussi, mais bon, on verra bien ce que le destin nous prépare. J'aimerais bien ne plus être malade, quoi, mais bon, c'est compliqué. Sinon, cette grossesse se passe relativement bien. Sauf que j'ai quand même été plus malade que la première. Parce que bon, pour Liam, je n'ai pas été malade du tout. J'ai juste eu de la rétention d'eau et... Ouais, j'avais mal dans mes articulations sur la fin. Au tout début, j'avais juste mal à mon dos. Quand ça, il fallait que ça se place. Mais sinon, j'avais pas eu une seule nausée ou aucun vomissement. Non. Que là, j'ai été quand même pas mal malade pour cette grossesse. J'ai eu beaucoup, beaucoup de nausées, beaucoup, beaucoup de vomissements le soir des premiers mois. Voilà. C'était, ça m'a fait bizarre. Hein, mais bon. Chaque grossesse est différente et voilà. On verra bien. Là pour l'instant ça va mieux, c'est juste que voilà, j'ai été fort malade, quoi. Décembre j'ai eu une grosse pharyngite, enfin c'était pas terrible. Et là j'ai eu la grippe alors que j'allais me faire vacciner. Donc j'avais un peu les boules, surtout que je l'ai refilé à toute la maison. Donc on a eu du mal un petit peu à s'en sortir, on a toujours du mal à s'en sortir là. Il a toujours le nez, la gorge de prise, de pris. C'est un petit peu relou. Et on est emmerdé avec notre chaudière en ce moment depuis quelques mois. Ils viennent, mais bon, ils viennent même pas une demi-heure. Et voilà, pour eux, tout va bien. C'est pas grave s'il se met en sécurité toutes les 5 minutes. Non, c'est pas grave. Il y a pire, madame. Il y a pire. Ouais, mais bon, en attendant, là, le matin, on espère avoir de l'eau chaude. Il y a des moments où on se bat avec la chaudière pour avoir de l'eau chaude le matin, pour pouvoir prendre sa douche. Enfin, c'est casse-couille. Et voilà, la nuit elle s'arrête, on se réveille le lendemain matin, ça s'appelle à la maison, quoi. Donc c'est pas génial. C'est pas génial, mais bon. Voilà. Donc là, ils réinterviennent jeudi matin. Voilà. J'espère que ce sera pas le même que la dernière fois, parce que mon Dieu, qu'est-ce qui puait la pisse de chat, le gars. C'était... Non, mais il m'a pourri l'intérieur de ouf. Ça sentait, mais tellement mauvais. Oh. Il m'a tellement saoulée, mais c'est pas grave, madame, il y a pire, vous savez, il y a pire. Ouais, mais en attendant, je trouve pas ça normal de payer plus de 100 € de charge et de pas avoir d'eau chaude quand je le demande, de pas avoir le chauffage quand j'en ai besoin. Enfin, voilà, et c'est surtout qu'on consomme une tonne d'eau froide pour rien, quoi. Enfin, bon. Voilà pour... les nouvelles, les vidéos normalement reviennent à la normale. Donc là, vous avez une vidéo le mercredi 10h et une vidéo le dimanche à 15h. J'espère que je vais pouvoir garder le rythme cette fois-ci. Parce que, voilà, j'étais vraiment pas en état, complètement amorphe sur le canapé, en train de mourir.
Voilà, mal partout, enfin, c'était pas possible. Je me voyais pas d'une filmer et de deux monter, non, du tout, du tout, du tout. Donc là, j'espère que ça va aller, que je vais pas retomber malade. Toucher du bois, je vais avoir du mal. Mais voilà, j'ai pas envie non, que ça recommence. Donc là, ce matin, j'ai déposé petit père à l'école. Faudra que je le récupère à midi. Là, je suis en train de préparer ma barre d'infos du coup pour la vidéo de mercredi, qui est un update lecture. Bah, de toute manière, vous l'aurez vu avant cette vidéo. Donc, je suis en train de faire la barre d'infos. Je vais finir ça. Et après, j'aimerais. J'ai une de paperasse du coup pour la taf, les machins. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Et j'aimerais bien voilà, avancer sur mon DP ce matin parce que bah, ça fait un moment que je m'y suis pas vraiment mis. J'ai vu qu'il y en a certaines qui en ont terminé déjà deux. Le site diamant.fr, on aime bien. Mais j'ai vraiment une petite tête. Hein. Hop. Bien entendu, tout s'est mis à côté de la poubelle. Au lieu qu'on est dedans. C'est génial. C'est le papier pour la cantine aussi. Enfin, non. Donc je vais finir. Voilà ma barre d'infos. Vas-y, tu peux monter encore plus haut là. Ouais. Si ça se casse pas la gueule. Donc oui, je suis en train de. Vous n'allez pas voir grand chose. Mais ouais, je suis en train de faire ma barre d'infos. Je vais vous mettre en accéléré et puis moi je vais continuer ça et après on fera du DP. Ensemble. C'est vraiment le bordel, mais mon dieu, qu'est-ce que je suis bordélique, c'est ouf. Mon petit chou me fait un petit cœur à l'école. Enfin, je pense pas trop que ce soit lui, mais. Hein? Sinon, j'ai mon premier rendez-vous Gigi. Enfin, j'ai déjà eu Nico, mais là aujourd'hui, c'est mon rendez-vous gynécologique. Je suis pas pressée. J'ai horreur de ça. Mais bon, là je vais en avoir plusieurs. Hein. Mais voilà, donc j'ai mon rendez-vous aujourd'hui pour ma déclaration de grossesse. J'ai rendez-vous à 13h30. Je prends le boulot à 15h. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Sinon, ça va être la merde. Enfin bon. Donc ouais, j'ai un rendez-vous. Gigi aujourd'hui, j'ai pas envie. Une fois que j'aurai déposé le petit à l'école, je fonce. Allez, faudrait que j'avance un petit peu dans ce que je fais là. C'est trop de bazar. Le bazar, ça c'est des produits finis qu'il faut que j'arrive à mettre dans mon sac. Salle de bain. Voilà. Alors, où j'en suis? Et il n'y aura pas de book haul pour ce mois de février. J'ai rien acheté. Voilà, vu que j'ai mes rendez-vous médicaux, ça passe en priorité. Voilà, puis bon, faut que je vide, vu que j'ai fait une demande de déménagement. Étant donné que la famille va s'agrandir, il me faut une pièce de plus. Donc, en espérant qu'on ait déménagé avant l'arrivée de bébé, mais vu qu'on demande sur la même commune, c'est un peu problématique, faut qu'il y ait de la place. Enfin, je demande ouais, sur la même commune et la commune juste à côté. Mais bon, en espérant avoir une réponse. Dès que j'envoie la déclaration de grossesse, j'espère que ça va débloquer un petit peu. J'espère. Mais voilà, vu qu'on voudrait une petite maison avec un petit jardin, hein, voilà, avoir trois chambres. Enfin bon, on verra bien. Mais ouais, on veut déménager parce que là, on est un peu lourd.
Mais j'avance un peu dans ma lecture aussi. Là, je suis toujours dans la disparue de la cabine numéro 10. J'ai avancé un petit peu hier. J'ai lu 3 chapitres, je crois. Mais bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je sens que ça va pas être une lecture que je vais adorer. Enfin bon, bref. Oh, c'est long. Et beau. Le maître des France. Ça y est, c'est fini. Bon, alors, écran de fin. Mais les Mixem, ils sont chers. Je mets pas 25 euros dans un bouquin. Hein. Oh, les Mixem, je les télécharge et puis c'est tout. C'est trop cher. Hein.